En terminant, M. Drainville, écoutez, je veux pas abuser de votre temps. C'est déjà très gentil de nous accorder une entrevue, mais dites-moi, à combien de pourcentage vous évaluez que c'est la faute de Justin Trudeau et de l'immigration, le problème qu'on a actuellement avec les classes? Bien, je dirais la majeure. La majeure, puis je fais pas de politique, là, parce que, tu sais, il y avait 300 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois il y a 2 ans, on est rendu à 600 000. Alors, c'est sûr que ça met beaucoup de pression sur les services publics. Puis moi, je le vis en éducation, là. Mm-hmm. Moi, je le vis en éducation. Moi, là, je l'ai annoncé, là, c'est pas de nouvelle, j'ai annoncé le printemps passé, là, je vais être obligé de fermer des maternelles 4 ans. Il y a des centres de services scolaires qui ferment des maternelles 4 ans pour ouvrir des classes de francisation. Parce que, qu'est-ce que tu veux, les petits-enfants immigrants, ils ont besoin d'être scolarisés, là. Fait que là, c'est rendu qu'on ferme des services qu'on offrait à notre population et on transfère les enseignants, puis évidemment l'espace, ça me prend une classe à un moment donné pour les franciser, ces enfants-là, pour justement donner des cours de français, créer des classes d'accueil et tout ça. Donc, c'est évident que quand le premier ministre dit il faut que M. Trudeau prenne ses responsabilités puis reprenne le contrôle des frontières puis diminue l'immigration, c'est sûr que moi, ça va m'aider. Regardez, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'année passée, on avait 8500 postes à combler. Là, il y a eu quand même une belle amélioration. On est à 5700. Bon, on a quand même diminué du tiers. Mais ce qui rend la tâche difficile, c'est que je dois scolariser 20 000 élèves de plus cette année et la majeure partie, ce sont des élèves immigrants. Et je dois aussi, c'est bien ça, je dois aussi pourvoir 3 700 postes d'enseignants de plus que l'année passée. Beaucoup à cause de l'immigration. Et donc, si ce n'était pas là de ces nouveaux postes que je dois créer, dans le fond, le nombre de postes à pourvoir là, serait bien plus bas que 7 700. Là. Ben, je serais en dessous de 2 000. Je serais passé de 8 500 à 2 000. Donc, ça crée vraiment une pression. Écoute, c'est certain que ça crée une pression. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ça arrête parce que ça craque aux coutures. Parce que c'est pour ça qu'on dit arrête, là, arrête. Là, il faut que tu diminues le nombre d'immigrants temporaires puis le nombre de demandeurs d'asile qui viennent s'installer chez nous. Là. Puis le Québec, on a été bon, là. On a été bon là, ces dernières années, là. Il y a eu des années où plus de 50 % des demandeurs d'asile de tout le Canada s'installaient chez nous, là. Puis moi, je blâme pas en passant les demandeurs d'asile, là. C'est pas eux autres que je blâme, là. Non, c'est à nous à mieux contrôler ça. Eux autres, ils cherchent un endroit où aller, ils cherchent une meilleure vie. Non, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est notre gouvernement fédéral qui fait pas son travail, puis qui a ouvert les portes ben trop larges, puis qui refuse de les fermer ou qui les referme tranquillement, pas vite, mais tu sais, des fois, on a l'impression qu'il se balançait un petit peu des conséquences, mais c'est parce que les conséquences, on les vit dans les écoles, on les vit dans le système de santé, on les vit avec le logement, fait que ça, quand M. Legault dit que ça ne peut plus continuer, il a raison, ça ne peut plus continuer. Mais pendant ce temps-là, nous autres, qu'est-ce que tu veux? On essaie de s'occuper le mieux possible de ces enfants-là, puis on est rendu vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Parce que là, à un moment donné, je ne peux pas faire pousser des enseignants. Moi, là, puis des classes, écoute, ça craque aux coutures. Là. Vous savez, là, au niveau du parc scolaire, on investit comme jamais. Écoute, on a augmenté de 9 à 23 milliards. 9 à 23 milliards! Pour investir dans le parc scolaire, là, pour construire des nouvelles écoles, puis agrandir, puis rénover, 9 à 23 milliards en 6 ans, puis on ne fournit pas.